Bordeaux, le dauphin de l'Olympique lyonnais qui recevait Caen tout à l'heure. À quoi ressemble Bordeaux? À quoi ressemblent les Girondins? Comment Laurent Blanc a concocté son effectif durant l'intersaison? Il n'y a pas eu beaucoup de changements, mais deux grosses arrivées, Johan Gourcuff et Gouffran, sont arrivés pour enrichir cet effectif-là, ce 11-là, aligné par Laurent Blanc. Donc voilà comment se présentait le 11 de Laurent Blanc ce soir pour affronter Caen. Caen, l'une des équipes les plus joueuses du championnat. Alors, retour de stars dans le championnat de France, mais les stars sont également dans Jour de foot, par conséquent. Aux côtés de Xavier Giraudon, on retrouve Laurent Blanc pour nous raconter la victoire, un petit peu laborieuse quand même, des Girondins face à Caen. Ouais, bonsoir Christophe. Christophe parlait de victoire laborieuse peut-être, mais vous avez eu du jeu, elle est méritée de toute façon cette victoire. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la victoire laborieuse. Effectivement, Caen nous a pris en contre dès sa première occasion et a conclu par un but. Mais je crois que bon, dans le jeu, on ne s'est pas désunis. On s'est créé beaucoup, beaucoup d'occasions, même en première mi-temps, notamment sur coup de pied arrêté. Bon, je crois qu'on a insisté à la mi-temps pour essayer de retrouver un petit peu de calme, puisqu'il y a eu un petit peu de nervosité de la part de Bordeaux en première mi-temps. Et puis, en deuxième mi-temps, on a réussi à d'abord égaliser, puis après à prendre l'avantage. Je crois que c'est quand même mérité sur l'ensemble du match. Alors, on le voit se résumer avec, dès la 15e minute, ce service de Savidan, ça c'est un geste qu'il faisait souvent à Valenciennes. Le but de Nivet, c'est un contre, assassin certes. Là, vous n'êtes pas très bien placé défensivement. Qu'est-ce qui flotte sur cette action, Laurent Blanc? Le problème, c'est que bon, c'est un match typique que l'on va avoir cette saison avec une équipe qui nous attend. Et que dès qu'on va faire une erreur technique, notamment dans le cœur du jeu, on va être en position de danger, notamment en contre. Et c'est le résumé de ce qui s'est passé sur la première action de Caen. Après, c'est ce jeu en une touche autour de Gourcuff, autour de Marwan Chama, qui était très bon. Jusqu'au moment où il sortira, victime d'un tacle un petit peu sévère, il est parti à l'hôpital. On essaiera d'avoir des nouvelles dans la soirée. Regardez ce jeu en une touche. C'est tout ce que vous avez essayé de faire durant la préparation. Prenez le jeu court autour de Gouffran et de Gourcuff. Le rapport, c'est aussi ça, dans le jeu court, dans la polyvalence. Faut-il encore avoir des joueurs qui ont les moyens de le faire? Je crois que Bordeaux, cette année, a des arguments pour bien jouer au football. On a pu voir que même en première mi-temps, si on n'a pas ouvert le score, on s'est procuré énormément d'occasions par des doublements, des redoublements. Et ça, c'est celle de Marwan Chamakh. Derrière, la frappe de Vindel, ça nous rassure. Il n'a pas perdu sa qualité de frappe durant cet été, même s'il n'a pas marqué ce soir. C'est parfaitement équilibré. L'arrêt de planté qui a été énorme, hein, parce que s'il y a 2-1 ce soir également seulement pour Bordeaux, c'est aussi parce que le gardien Canet a été très bon. Allez, on change de côté. La deuxième mi-temps, Didier Deschamps et Christophe Dugarry, nos consultants en plateau à Paris, parlaient d'un attaque-défense. On retrouve le même scénario avec ce moment de grâce exceptionnel, cette frappe certes déviée. Mais parlez-nous, vous, Laurent, qui avez été le grand libéraux clancé, mais qui avait joué aussi meneur de jeu. Il y a tout dans l'enchaînement du garçon qui est en train de rejoindre discrètement. Oui, je crois que ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements, et c'est vrai que le porteur du ballon a plusieurs solutions. Il choisit la solution en retrait pour Johan, qui peut s'ouvrir l'angle de frappe et frapper, et dévier et marquer. Alors ça fait un partout à la 53e, et puis un quart d'heure de la fin, il y a encore Gourcuff, il est venu pour être décisif à Bordeaux, et que dire de cet homme? On a cru un temps que c'était Sorban, encore une fois, le malheureux qui était sur la trajectoire. Non, ça c'est un but. En commentant avec Giroud, on parlait d'un geste à la Delionis pour les plus anciens d'entre nous, c'est vrai? Oui, c'est vrai que Kalenagi a des talents de buteur qui ne sont plus à démontrer, et c'est vrai qu'il se trouve souvent au bon moment et au bon endroit. Derrière, la frappe de Vindel, toujours équilibrée, 30 mètres, encore planté, plus 30 mètres. Regardez, ça flotte, c'est dur à prendre, ça implique un arrêt encore parfait du gardien normand. Et à l'arrivée, la poignée de main, Caen a été à la hauteur de sa réputation, joueur, parfois presque un peu trop, mais défendant bas, malin, caméléon. Et puis Bordeaux a joué, Bordeaux a eu beaucoup d'occasions, Bordeaux s'est imposé, notamment grâce à la grosse prestation de cet homme, Johan Gourcuff, qui nous a rejoint. Johan, les premières impressions lorsqu'on voit votre geste, cette frappe déviée? Bah, vous aviez dit, je veux venir ici pour être décisif, c'est chose faite déjà. Ouais, déjà mon premier objectif, c'est d'avoir du temps de jeu, de prendre du plaisir avec mes coéquipiers, de bien jouer au ballon, de faire circuler, d'apporter du mouvement. Ensuite, si je peux apporter des passes décisives ou des buts, et ben ça sera un bonus. Mais bon, c'est pas le plus important, c'est dans le jeu aussi d'apporter du mouvement, de jouer simple et d'offrir de la qualité.
On parlait de la qualité cannaise. Laurent, ça a été également un vrai combat ce soir. Presque un parfum de ce qui vous attend en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe. On va voir quelques scènes qui montrent l'engagement des Canets qui étaient très prêts physiquement. Vous aussi, parce que vous êtes monté en puissance au cours du match. On peut parler d'un gros match de coupe. Ça, c'est le tacle de Marwan Chamakh qui va sortir entorse ou pas pour lui. Une belle entorse de la cheville. Apparemment, il n'y a rien de cassé. Donc. Mais c'est vrai, c'est un fait de jeu. Et en plus, sur ce fait de jeu, Marwan, ce qui est quand même paradoxal. Soyez clair avec nous, il y avait encore le 5-0 de l'an dernier avec les petites paroles qui avaient dérapé, non, sûr ? Non, je crois pas. Je crois qu'il y avait de la nervosité, notamment en fin de première partie, de notre part, mais aussi de la part de Caen. Et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on est revenu avec l'esprit beaucoup plus serein, ce qui nous a permis d'abord d'égaliser et de remporter le match. Allez, on revient à l'artisan de cette soirée. Il s'appelle Johan Gourcuff, il est avec nous. Allez Johan, on a mis une caméra sur vos touchers de balle, sur votre façon d'orienter le jeu, de retrouver Gouffranc. Vous avez côtoyé en équipe de France Espoir. Cette équipe-là, elle a tout pour être l'équipe dans laquelle vous allez vous épanouir. Vous êtes venu à Bordeaux pour avoir du temps de jeu. Le mouvement autour de vous, la solidité de la sentinelle derrière, qu'est-ce qui vous marque dans ce jeu bordelais ? Non, mais je pense qu'on a une équipe qui est bien équilibrée avec de la qualité à tous les postes. Chacun, je pense, sait bien ce qu'il a à faire. On a des joueurs des buteurs, on a des joueurs qui prennent la profondeur. Au milieu, on a de l'impact physique. En même temps, on a de la technicité. Donc, je pense que c'est une équipe qui est bien équilibrée et on produit du jeu. Donc, ce soir, ça a réussi, mais c'est bien pour nous de bien commencer le championnat. Allez, Laurent Blanc, avant de vous laisser partir en conférence de presse, c'était votre choix numéro un. Je sais que vous aimez pas tracer des lauriers comme ça, surtout à des garçons qui sont juste à côté de vous, sortir un joueur du collectif, mais c'était le choix numéro un, plutôt réussi pour l'instant. Ben écoutez, tous les joueurs qui sont des leaders techniques sur le terrain, ils m'intéressent. Bon, faut-il en avoir suffisamment, mais pas trop, puisque bon... Il faut un certain équilibre et je crois que cette année Bordeaux à ce niveau-là a beaucoup de possibilités tout en étant, je l'espère, autant performant que ce qu'on a pu être ce soir. Allez, on vous laisse partir et on va s'intéresser à la formation du Stade Malherbe de Caen qui a été fidèle à ce qu'on attendait d'elle, joueuse comme l'an dernier, quatrième attaque de Ligue 1, parfois un peu fébrile derrière, mais qui a surtout enrôlé de la meilleure des façons. Steve Savidan, c'est un des gros coups de l'été. Écoutez-le, il est au micro de Gaëtan Huard, plutôt satisfait de cette première. Non, il y a pas. Allez, c'est la première ce soir. Il y a pas de Steve Savidan. Alors il y aura un hommage de Johan Gourcuff quand on vous a posé des problèmes tout de même ce soir. Ah, c'est sûr que dès leur première occasion, qu'ils marquent le but alors qu'on avait la possession du ballon, qu'on était dans leur camp et qu'on poussait, qu'en premier mi-temps, on s'est créé quand même beaucoup d'occasions. On a produit du jeu. Le fait qu'ils dès leur première occasion, ils nous marquent le but, et ben ça nous a fait bizarre, on va dire. Mais il faut retenir aussi l'état d'esprit en deuxième mi-temps, parce qu'on n'a pas lâché, on ne s'est pas précipité non plus. Je pense qu'on a été patient, on s'est créé encore beaucoup d'occasions tout en produisant du jeu, donc c'est satisfaisant et on retient la victoire avec un très gros état d'esprit et puis de la qualité dans le jeu, d'énormes occasions aussi. Donc j'espère que dans les prochains matchs, on arrivera à mettre. À concrétiser plus rapidement nos occasions. Voilà, les adversaires de Bordeaux sont prévenus. On n'ose pas parler de titre, d'outsider pour le titre ici. C'est très feutré, très bordelais. Mais Bordeaux a fait très fort tout de même ce soir dans le jeu, malgré l'étroitesse du score.